Bon, aucun de vous n'est ma fille. Est-ce que quelqu'un aurait vu Miori? Yeehaw! Yeehaw! Nous sommes en guerre. 30 ans dans le futur. C'est quoi ce truc? Notre ennemi n'est pas humain. Il faut que vous veniez vous battre. T'as été enrôlé. Je vais revenir. Pourquoi tu dois partir? T'as la dispense pour les enseignants et celle pour les vétérans. Si j'y vais pas, ils vont t'envoyer à ma place si quelque chose devait m'arriver. Miori et toi, vous seriez à l'abri. Si il devait arriver quelque chose, Dan, 70% des enrôlés ne reviennent pas. Parfois, un homme doit savoir ce qui est le mieux pour sa famille, pas pour lui-même. Retirez votre chemise, s'il vous plaît. C'est pourquoi tout ça? C'est juste un test. Oh, une ceinture. Alors, c'est un test de conduite? Ah non, vous connaissez pas l'humour dans le futur? Ce dispositif vous permet de passer dans le futur et d'en revenir. Lancement H-1 minute. Tu vois ça? Tu le mets dans ce sens-là. Pourquoi t'as l'air si calme? C'est une longue histoire. T'es un ancien militaire? Ouais. C'était pas si long, en fait. 3, 2, 1... Dans à peine 11 mois, tous les humains du futur auront disparu de la surface de la Terre. À moins que vous nous aidiez. J'essaie seulement de sauver ma fille. Et si je dois sauver le monde, tu peux me croire, je le ferai. C'est terminé. La race humaine disparaîtra de la surface de la Terre. Nous vivons littéralement à crédit. Il nous reste une chance d'empêcher que cette guerre se produise. Alors on doit se battre. C'était sympa de vous connaître, les gars.